Gérard, attendez-moi. Oh là. Ah, merci. Merci. Merci de me prendre. Alors, nous sommes dans quel véhicule, là? Alors là, on est dans un véhicule Citroën, donc c'est une base de Rosalie qui a été carrossée en petit bus, 8 places et le chauffeur, voilà. Donc chez Citroën à Paris, entre autres, celui-là a été carrossé chez Citroën à Paris. Et alors celui-ci, il roulait où? À la Guépie, là, dans le temps? Ce véhicule, oui, il a été acheté donc, par M. Raymond Granier, qui est natif de la Guépie. Il a été acheté neuf en 1938, donc on a appris qu'il avait été acheté neuf chez Citroën là, donc, en 1938. Et il a exploité la ligne dont il faisait la Guépie Caussade le lundi pour le marché, Montauban le mardi, jeudi, samedi, et il faisait la Guépie Carmo Albi le vendredi. Ça jusqu'à 1972. Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Hein. Il devait y avoir beaucoup de passages pour pouvoir récupérer tous les gens au bord de la route. Ah ben, déjà, il n'était pas tout seul. Il y en avait d'autres, puisque c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'autobus qui circulaient. Et donc, lui, il y en avait trois, en fait, au départ de la Guépie, sur Montauban. Et donc, voilà, mais, comment dirais-je, bon, M. Granier était un petit peu original, alors il avait sa clientèle, on va dire. Okay. Et puis, le véhicule, en 1972, sortait quand même du schéma des véhicules de l'époque, quoi. Quel était le prix du ticket, là? Ah, je ne peux pas vous dire, on a les tarifs, si vous voulez, on les a les tarifs, mais je ne me rappelle pas, je ne les ai pas en tête. C'était accessible. À l'époque, oui, c'était accessible, oui. Est-ce que les gens là, revenaient du marché là, avec les poules, les moutons ou autre? Bien sûr, oui, bien sûr, oui, les moutons, les poules, des batteries sur le toit pour les mécanos, enfin, tout ce qu'il y avait à transporter, puisqu'ils faisaient tous les transports, on va dire, qu'il y avait par rapport aux commerçants du village, aux gens du village. Alors ce véhicule, il est là, mais il est arrivé sur camion ou bien il roule? Ah non, on est venu en roulant, bien sûr. Ouais, on est à combien, 116 km, je crois. On est venu en roulant, je dis, tranquillement. Et vous avez mis quoi, 1h30? On a mis 3h. Ah, oui. C'est très agréable quand même, de toute façon. Hein. Bien sûr, si on le fait, c'est que c'est très agréable, oui, tout à fait. Et puis il y a la radio? Non, il n'y a pas la radio. On écoute le moteur, là, tout le moteur, le pôle, la boîte. C'est l'essence? L'essence, oui, bien sûr, 11 chevaux. Ouais. Bon, mais écoutez, on va y aller. Hein. Eh bien, allez. Où c'est que vous voulez aller? Saint-Gaudens, vous connaissez? Saint-Gaudens. Allez, c'est parti. Roulez, merci. Alors, mais il y a pas de problème. Hein.
different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Alors Joanne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes qui? Bah du coup je suis majorette, pom-pom girl et cheerleader. Et alors que va-t-il se passer? Parce qu'on m'a parlé d'un concours à Albi, qu'est-ce que c'est? On va avoir le championnat de France qui va se dérouler à Albi en mai. En mai 2020. En 2024, oui. En 2024. Donc vous êtes prête? On s'entraîne. Vous êtes combien? Dans le club, on est une soixantaine. Ah quand même? Oui. Bon, très bien. Parfait. Merci. Avec plaisir. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher au salon Automoto? Je viens regarder les voitures, tout simplement. Les vieilles voitures. Les vieilles voitures. Vous comptez en acheter une peut-être? Non, pas du tout. C'est pas l'objectif. On fait juste un petit tour avec mon papa. Moi, je suis plutôt petite voiture, hein, les mini, enfin oui. Voilà, c'est tout. Austin, ça vous parle? Non. C'est super, il y a des super voitures partout et puis des motos. C'est très sympa. Sur quoi vous flashez ou sur quoi vous flasheriez si vous aviez les moyens? Alors, j'ai pas de modèle en tête, mais moi, j'adore tout ce qui est voiture vintage, colorée, ouais. Qui rappelle un peu le bon vieux temps. Voilà. Ah, je viens pourquoi? Pour le plaisir des yeux, oui. Pour voir la diversité des voitures anciennes et un peu plus modernes aussi parfois, qui attirent mon regard, mais un peu tout. Et moi j'aime bien Porsche.